Les paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : cette parole est rude, qui peut l'entendre ? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : voulez-vous partir vous aussi ? Simon-Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà des questions essentielles qui sont posées dans la première lecture et dans l'Évangile. Voilà, voulez-vous servir d'autres dieux ? Et vous aussi, vous voulez partir ? Vous voyez, c'est vraiment la question de est-ce que ça tient notre foi ? Alors, les réponses, les questions sont du même acabit, les réponses pas tout à fait, en tout cas pour une partie, puisque à Sichem, le peuple tout entier dit plutôt mourir que d'aller vers d'autres dieux. Voilà. Tandis que dans l'Évangile, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que beaucoup vont partir. Et c'est dit à deux reprises, beaucoup de disciples vont s'en aller. Alors que se passe-t-il ? La question qui va bloquer pour les disciples, alors qui sont ces disciples ? Ce sont des gens qui se sont intéressés à ce que Jésus disait, il y avait tout l'aura de Jésus, là. On parlait beaucoup de lui, et puis ils ont constaté, ils ont vu des signes forts, des guérisons. Jésus s'est beaucoup occupé d'eux aussi, hein, vous savez, il leur a donné des signes aussi quand il va marcher sur l'eau, peu de temps avant cette scène-là, et puis il y a la multiplication des pains, donc, et puis tous ces entretiens que Jésus va avoir pour ses disciples, pour les maintenir, pour les faire grandir dans la foi, pour leur donner de s'ancrer dans cet essentiel. Mais il faut croire que ce n'est pas tout à fait réussi, parce qu'au moment où Jésus commence à approfondir son message, et dans ce discours sur le pain de vie, là, c'est le début qui va bloquer, comme tout à l'heure Jacqueline le rappelait, c'est quand Jésus va dire
Voilà, je suis le pain descendu du ciel. Vous savez, on l'a entendu il y a quelques dimanches. Et ça veut dire, eh bien, est-ce que c'est que ce pain venu du ciel? Eh bien, pour les Juifs, ce pain venu du ciel, je le rappelle, c'était la parole que Dieu donnait. Donc, c'était toute la Torah, les prophètes, voilà, c'était tous ces textes fondamentaux, ces paroles de vie qui donnaient la vie à ce peuple. Et Jésus a, je dirais, le culot de dire, eh bien, maintenant, le pain venu du ciel, c'est moi. Vous voyez, c'est fondamental. C'est, quand même, il faut se rendre compte. C'est que Jésus prend la place de... sans annuler cette parole. Mais il se met devant la parole en disant, si vous voulez comprendre le message, la parole de Dieu, la vie, vous voulez la recevoir, eh bien, il faut aller vers moi. Je suis le pain qui vient du ciel. Alors, il y a d'abord tous les proches, hein, les gens de chez lui qui vont se retirer en disant, bah, qu'est-ce que ça ? Enfin, on le connaît, on connaît son père, Joseph, le charpentier, on connaît sa mère. Ouais. Alors, il se retire. Et puis, il reste une foule qui va... Et puis, dans cette foule, des disciples. Alors, les disciples, on pourrait penser, Jésus s'en est tellement occupé qu'ils vont rester. Mais non, ils sont scandalisés. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas entendre. Nous ne pouvons pas entendre cette parole. Comment est-ce qu'il peut prendre cette place? Il y a un scandale. Jésus va les choquer profondément en disant cela. Comment il peut se situer au-dessus? C'est-à-dire qu'ils veulent bien de Jésus comme éventuellement un prophète, comme une personne tout à fait exceptionnelle qui vient de Dieu, mais pas le remplaçant de tout ce qui les a fondés jusque-là. Et il faut voir le scandale que ça peut être. Jésus prend pour eux une place qui n'est pas la sienne. Et alors, ils ne peuvent pas le suivre. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le suivre dans ces conditions-là. Donc, eh bien, ils se retirent, et ils se retirent nombreux, ils sont scandalisés, ils s'en vont. Pourtant, Jésus s'en est beaucoup occupé. Hein. Il a vraiment pris beaucoup de soins pour les faire grandir, les faire cheminer. Mais en masse, ils partent, beaucoup, beaucoup partent. Et Jésus, vous voyez, c'est déjà un peu la passion qui s'annonce, le moment où il n'y aura quasiment plus personne. Plus personne. Mais il reste quand même un petit noyau, je dirais le noyau fondamental, il reste les 12. Et alors les 12, eh bien, Jésus va les interroger en disant, ben voilà, ils sont tous partis, et vous, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Vous voulez partir aussi? Vous voyez, Jésus, il ne va pas là dans le sens du poil, hein, dans le sens de dire, bon, je vais essayer de les cajoler un peu pour qu'ils restent. Il dit, monsieur, vous voulez partir, allez-y. Hein, allez-y. La porte est là. Vous pouvez partir. Évidemment, c'est terrible pour Jésus aussi, ça. Mais il ne les retient pas, il ne les oblige pas à rester. Il ne va pas essayer de les flatter pour qu'ils restent. Il les met devant la même chose que les autres. Et ce n'est pas sûr que les apôtres n'ont pas été aussi bouleversé, choqué par ce qu'a dit Jésus. Ce n'est pas parce que Pierre va répondre « Eh bien !» qu'ils n'ont pas été aussi secoués hein, par, je dirais, cette place incroyable que Jésus vient prendre. Mais Pierre va dire « À qui irions-nous ?» Voilà, c'est moins glorieux que dans les autres évangiles. Hein. « À qui irions-nous » c'est-à-dire... Bon, il ne reste pas beaucoup d'alternatives, on ne peut pas partir. Bon, c'est un peu timide encore. Hein. À qui irions-nous? Voilà, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais c'est dans l'obscurité. Vous savez, ce matin, je viens des Chourniacs, là où je suis en retraite, ça ne se voit pas, mais c'est vrai. Et donc, en arrivant à Aubeterre, il y avait un brouillard à couper au couteau. Vraiment, je n'y voyais rien. Heureusement, j'avais mon GPS. Ça sert. Il me disait, au bout de la route, tournez à droite. Mais je ne voyais pas à quel endroit je pouvais tourner, je ne voyais pas de route. Mais malgré tout, je lui ai fait confiance. Je me suis dit, puisqu'il me dit de tourner à droite au bout de la rue, c'est qu'il doit avoir une rue à droite. Arrivé là, je me suis dit, ah oui, il avait raison. Enfin, c'est une dame qui parle. Mais vous avez raison, madame, il y a une rue, je tourne. Vous voyez, c'est un peu dans cette situation que sont les apôtres là, hein. Ils disent, oui, Seigneur, on entend que tu nous demandes, là, on y va avec toi, mais on ne sait pas trop où on va. Hein. On ne sait pas trop où on va, mais on est attaché à toi et on est prêt à te faire confiance.
on verra que ça ne va pas tout à fait fonctionner jusqu'au bout quand même. Hein. Parce qu'à un moment, il ne va pas rester grand monde. Il va rester quelques femmes, le disciple bien-aimé, tous les autres. Mais à ce moment-là, vous voyez, ils sont quand même accrochés à Jésus au plus profond d'eux-mêmes. Et comment est-ce qu'ils peuvent être accrochés à lui alors qu'ils ne comprennent même pas ce qu'il est en train de dire ? Il ne faut pas penser que la foi est... la foi, bien sûr, elle suppose une compréhension, mais ce qui est premier, c'est un accrochage à un vivant, à quelqu'un qui nous aime. Et puis, on lui fait confiance, on marche avec lui, même si ce n'est pas clair, mais on se dit finalement... Tout ce qu'on a vécu avec toi, Seigneur, c'est pas possible que ce soit faux. On est accroché au cœur. Et je me souviens du curé de ma paroisse, il y a 40 ans, qui disait, voilà, de beaucoup de chrétiens qui croient tout ce qu'il faut croire, qui ont appris tout ça au catéchisme à l'époque, voilà, et par cœur quelquefois, et on peut se dire, est-ce qu'ils ont fait l'expérience du Seigneur comme de l'ami qui rencontre son ami, du fiancé avec sa fiancée ? Voilà, quelle est notre relation à ce vivant ? Quelle est notre relation à ce vivant ? Et là, eh bien, Pierre, au nom de tous les autres, parce qu'il dit « à qui irions-nous ?» Il n'a pas dit « à qui irais-je ?» mais « à qui irions-nous ?» Nous, le groupe, là, le dernier cercle, « à qui irions-nous ? » Tu nous as parlé au cœur. Et au plus profond de nous-mêmes, nous savons que même si on ne comprend pas, ce que tu dis, ça doit avoir un sens. Ça doit avoir un sens et on va le découvrir. Il faudra attendre la Pentecôte pour le découvrir vraiment. Mais ils sont prêts à mettre leur main dans la main, comme Pierre, quand il marche sur l'eau, il est en train de couler, mais cette main est là, il met sa main dedans et voilà, il peut aboutir sur le sol ferme. J'étais il y a quelques jours avec une amie qui a passé les 100 ans, qui est depuis peu de temps presque à la retraite, pas tout à fait. Elle continue à tricoter pour les gens qui n'ont rien à se mettre sur le dos. Et elle est dans une maison de retraite depuis un peu plus d'un an. Voilà, c'est un âge canonique. Elle avait presque 99 ans quand elle est rentrée. Mais dans cette maison où elle ne peut plus faire grand-chose, elle s'ennuie pas mal. Mais elle a découvert, on peut découvrir des choses à 100 ans, tout un monde avec des gens qui souffrent autour d'elle. Et elle dit, je passe mon temps à demander au Seigneur qu'il vienne montrer son amour à ces gens qui souffrent, qui sont autour de moi. Je ne peux pas faire grand-chose, mais je passe mon temps à demander au Seigneur qu'il vienne leur montrer son amour, et ce n'est pas facile, parce qu'ils ne savent pas forcément. Vous voyez, mettre sa confiance jusqu'à la dernière limite, au-delà de tout, au-delà de tout, savoir que si le Seigneur est là, on peut avancer. C'est vraiment la question qui nous est lancée à chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas de confiance, cet acte de confiance personnelle et ensemble, parce qu'on va dire notre foi tout à l'heure, je crois en Dieu, eh bien, est-ce que vraiment on est prêt à dire au Christ, je ne sais pas trop où tu m'emmènes, je ne sais pas trop où tu nous emmènes, mais... avec toi, on va vers quelque chose qui est bon, qui est beau et qui vaut la peine d'être vécu. On a confiance en toi, même si ce n'est pas clair, même s'il y a du brouillard. Tu es notre GPS, c'est beaucoup mieux. Hein? Parce que nous savons que ta voix ne peut nous tromper, même si les messages ne nous semblent pas toujours très clairs, mais ta voix ne peut pas nous tromper et dans ta parole, nous pouvons trouver le chemin. Bien que le Seigneur nous donne cette foi de Pierre qui est enthousiasme, amoureux. À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors on te fait confiance, on met notre main dans ta main, on marche avec toi, ensemble. Et la semaine prochaine, on verra, aujourd'hui se pose la question de la foi, la semaine prochaine, on va voir se pose la question du frère. C'est les deux choses essentielles finalement. Notre relation au Christ, à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre relation aux frères. Ces deux dimanches nous amènent à l'essentiel. Eh bien, puissions-nous nous laisser entraîner, comme dans une allégresse, dans un chant de joie, y compris quand on ne sait pas trop, mais on sait qu'avec lui, on n'a rien à craindre. Il nous mène à bon port.